Salut tout le monde, déjà je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, donc je viens de lancer cette chaîne YouTube, je vais vous expliquer pourquoi et tout. Donc franchement ça fait vraiment plaisir de commencer cette chaîne YouTube, que j'espère que vous allez être nombreux, j'espère que vous allez être présents, j'espère que vous êtes vraiment sympa. Bien évidemment pour le moment il n'y a personne qui me regarde, il n'y a personne qui me suit, personne ne me connaît. J'espère que vous allez quand même venir nombreux et puis apprécier mes vidéos, etc. Donc voilà, on va commencer. Alors voilà le TS, en fait ça c'est le TS du serveur Arma 3, là où je joue. Donc je vais faire des jeux spécialement sur Arma pour faire de la pub pour ce serveur Artist Mode Life, en fait qui est un très très bon serveur. Donc vous voyez que je suis modo, mais les admins sont vraiment cool ici. On a excusez-moi pour le bruit, j'ai l'enlevé après. Donc je vous mettrai le lien du TS, je vous mettrai les liens de tout de mon Twitch. Donc je vais faire aussi beaucoup de live Twitch et je vais faire bien évidemment ma chaîne YouTube, hein, voilà, normal. Donc voilà, donc j'insiste vraiment, je vous mettrai le comment on peut accéder au serveur, hein, je vous mettrai tout. S'il y a un mot de passe, quel mot de passe faut mettre, parce qu'il n'y est pas tout le temps, mais parfois il y est, etc. etc. Donc on va commencer cette vidéo, en fait, enfin cette chaîne plutôt, par une petite série. Donc comment bien débuter sur Arma, comment le télécharger, comment l'optimiser et comment rentrer dans les serveurs, comment télécharger des mods, etc. etc. et tout ça va vraiment être une bonne évolution, quoi. Donc c'est parti. Bon, je vous invite à rejoindre Instinct Gaming, en fait, qui est un très très bon site, là où on peut trouver beaucoup de jeux à très bas prix. Mais j'ai été voir un peu sur un peu de enfin sur quelques sites et j'ai vu que ils étaient tous en rupture de stock, en fait. Donc vu que là ils sont en rupture de stock, je sais pas pourquoi. Avant ils étaient pas en rupture de stock, pardon, en rupture de stock. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc s'ils sont en rupture de stock, tout simplement vous tapez Steam sur Google, vous allez trouver bienvenue sur Steam. Et vous pouvez l'acheter directement sur Steam, en fait. Et il faudra télécharger Steam bien évidemment pour avoir Arma. Par exemple, vous voyez, acheter Steam ici. Il faudra acheter Arma, pardon. Il faudra télécharger Steam pour pouvoir mettre Arma, pour pouvoir jouer à Arma, pardon. Donc voilà, donc ça c'est Steam. Vous voyez ici, vous avez juste à installer si vous voulez pas la... Si jamais vous voulez pas l'installer et vous voulez toujours aller sur le site ou quoi que ce soit, bah vous pouvez vous connecter ici, créer un compte, etc. Donc moi j'ai déjà Steam. Donc voilà, donc ça, en fait, si jamais quand vous regardez cette vidéo, les clés sont disponibles, vous avez juste à cliquer ici, en fait, il y aura un petit bouton, vous cliquez, etc. Et en fait voilà, ça va vous demander de payer en carte bleue, machin machin, vous choisissez, vous mettez toutes vos coordonnées et tout, et puis ça va vous donner une clé Steam, en fait, en photo. Donc il y aura écrit numéro 500 machin point 777 machin, enfin une clé, quoi, comme. Donc pour entrer cette clé, il faudra télécharger Steam. Enfin, pas obligé, mais moi je vous conseille vraiment de télécharger, c'est beaucoup mieux. De créer un compte, et ensuite quand vous êtes sur le compte, voilà, donc ça c'est bien plus, hop. Quand vous êtes sur le compte, en fait, tout simplement il va y avoir écrit ajouter un jeu, et vous êtes activé produit sur Steam, en fait. Et non, c'est pas ça, pardon, c'est ajouter un jeu, non Steam, non, ce n'est pas ça non plus. Oui, c'est activer un produit, en fait, je crois que c'est ça, c'est suivant, je suis d'accord, voilà. Et donc là vous avez plus qu'à copier-coller votre clé. Vous voyez là, il y a des exemples, donc ça sera une des clés, hein, comme ça en gros, et vous la copiez et vous faites suivant suivant, et ensuite ça va installer le jeu, voilà, il va se mettre là en gros. Pour avoir les petites photos sur le côté, parce que quand vous allez télécharger Steam, en fait ça sera comme ça. Donc moi je préfère avec les icônes, donc vous allez juste appuyer sur plus, icônes, après sur mes icônes, vous allez juste faire un petit détail, mais bon, c'est plutôt joli, je trouve. Donc voilà, donc ça c'est premièrement.
Donc ensuite quand vous allez installer le jeu, bah voilà, vous avez plus qu'à le lancer et je ferai une explication pour détailler tout le jeu et tout dans la partie 2 de cette série. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Je vais vous poster la partie 2 tout de suite après, comme ça vous n'allez pas trop vous ennuyer, pardon, parce que ça c'était un petit peu court. Bon voilà, je vous dis à ciao, à la prochaine, et n'hésitez pas à liker ou à disliker, mettre des commentaires, vous abonner, faites ce que vous voulez, j'aimerais bien savoir votre avis, ce que vous en pensez, si c'est pas bien de faire de la pub pour les serveurs, vous aimez pas ça, ouais, est-ce que je suis, si vous dites, enfin voilà quoi, j'aimerais bien savoir vos idées. Vos idées, voilà, tout ce que vous pensez de moi, s'il y a des détails qui vous gênent ou quoi que ce soit. Bon, allez, je vous dis à ciao, à la prochaine.